Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour le tuto de ces cahiers. Vous avez été plusieurs à me demander donc ce tuto. Donc, eh bien, on va le faire ensemble. Alors, je vous cache pas que ça fait, c'est la troisième vidéo que je tourne en fait, troisième tuto que je vais tourner. J'aurais pu vous mettre les précédents donc pour ces deux-là. Simplement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mon téléphone n'a pas arrêté de se casser la figure. Il y a eu beaucoup de, en fait, de coupures. Donc voilà, ça me faisait un travail de titan. Et puis en fait, j'ai eu encore d'autres idées, donc je me suis dit que j'allais vous refaire un dernier tuto cette fois. Je pense que ça va être le bon. Je vais essayer de le tourner en une seule fois si possible, de manière à pas avoir trop de problèmes au montage. Par contre, je vais être beaucoup plus bref parce que c'est vrai que les tutos d'avant étaient un petit peu plus longs. C'est vrai que mine de rien, quand il y a des choses à montrer, ben voilà, hein, ça ne se fait pas en 30 secondes. Mais là, je vais essayer quand même d'être un petit peu plus courte. Donc, je vais faire beaucoup de travail en amont. Je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser. Je ferai du montage et on se retrouvera pour les parties, on va dire, essentielles. Il y a des choses que vous, bien sûr, que vous savez faire. Et moi, je vous montrerai les parties essentielles, donc des tutos. Ceux-là, je ne vous les remontre pas. Vous les avez déjà vus. On va donc attaquer directement celui-là. Donc, celui-là, c'est le premier tuto que je vous ai fait. Il a été réalisé avec cette collection-là. Comme les premiers, j'ai choisi d'utiliser donc comme cela j'ai choisi d'utiliser des papiers avec foil parce que je me rends compte que ce sont des papiers que j'ai souvent du mal à utiliser et que décidément je vais pas y arriver. Désolée, en plus c'était de la pub, donc les boules. Bref, je vous disais donc oui, ces papiers donc avec foil, j'ai beaucoup de mal à les utiliser, mais j'ai trouvé que pour ce tuto-là, et bien même si ce sont des papiers qui sont chargés, ça reste quand même sympa. Donc du coup, j'en ai refait un plutôt dans les teintes de rose. Alors, le ruban, donc je l'ai collé donc à l'intérieur entre les deux. Comment dirais-je, entre la cartonnette et le papier de couverture. Je vais y arriver. Celui-ci, il a été réalisé avec une cartonnette de récupération qui était de la cartonnette à biscotte. Une cartonnette qui n'était pas très, très épaisse. Mais une fois qu'on a rajouté ici un papier et ici un papier, eh bien, on a quelque chose de rigide et qui suffit amplement. Cela étant, la tranche, je la trouvais un petit peu légère. Donc, j'ai par l'intérieur, donc vous ne le verrez pas bien sûr, mais voilà, ici j'ai recollé donc au centre une cartonnette un petit peu plus rigide, ce qui fait que j'ai quelque chose de voilà d'un peu dur et ce qui ne risque rien quand j'ai percé les trous bien sûr pour la couture. Donc voilà pour la conception. Je suis donc venue ensuite la recouvrir de ce tissu, pardon, de ce papier adhésif. Donc c'est exactement le même que j'ai utilisé pour le premier, sauf que la couleur change. J'en avais acheté quelques-uns il y a 2 ou 3 ans, enfin il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, et je ne les avais pas utilisés. C'est vrai que c'est paillettes, hein, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je les avais achetés, et finalement j'ai bien fait parce que c'est pratique quand on utilise une cartonnette qui est grise, enfin dont on a besoin de la recouvrir donc de quelque chose d'opaque, et bien ça c'est parfait. En plus ça se colle extrêmement bien, c'est vraiment facile à travailler. À l'intérieur on a quand même voilà, du quadrillage, un petit peu comme le papier Vinilia. Donc c'est extrêmement facile à poser, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec ça. Donc je ne regrette pas de les avoir achetés. D'ailleurs, cet hiver, vous verrez le tuto un peu plus tard, puisque je l'avais laissé en plan, je l'avais utilisé pour faire des enveloppes. Vous savez, avec les tablettes de chocolat, j'avais utilisé les emballages de chocolat. Donc voilà, et ben pour une, j'ai utilisé ce papier, mais en argenté. Et franchement, c'est hyper pratique. Je vous le recommande. Pour les couvertures, c'est top, top, top. Donc voilà, c'est donc ce que j'ai utilisé. Que vous dire de plus? Exceptionnellement, je n'ai pas mis de petits nœuds sur la reliure parce que je voulais vous montrer ce que ça donnait lorsqu'on ne l'avait pas attaché. Je pense quand même que je viendrai y mettre un petit nœud parce que je trouve quand même que ça fait plus fini, c'est plus joli, ça donne un petit côté un peu plus sympa. Alors, j'ai vraiment aimé faire ces petites, voilà, ces petits, parce que vous avez vu la différence de taille. En fait, pourquoi j'ai choisi cette taille? Parce que ma cartonnette, j'avais une dimension qui était assez limitée et il fallait que je voulais faire donc ma structure d'un seul tenant, donc comme celle-ci. Donc j'avais l'obligation d'avoir une grande partie. Et moi j'étais limitée. Donc en fait, ces dimensions-là, je les ai vraiment
créer parce que dans ce sens-là, j'étais limitée. Dans ce sens-là, donc dans la hauteur, je n'avais pas du tout de limite. J'aurais pu le faire beaucoup plus grand, mais dans la longueur, j'étais limitée. Et finalement, je suis très contente donc de ces petits gabarits. Alors celui-là, il est vraiment petit puisqu'il fait 10,2, je crois. Ma règle, elle est où? Elle est là. Donc il fait voilà 10,2 par 14,8. C'est ça, 10,2 par 14,8 avec une tranche de 2,5. Mais dans le quatrième que j'ai réalisé, on est à 10,5 pour une tranche de 3 et en hauteur, on est à 15. Voilà, les dimensions intérieures ne changent rien. J'ai gardé les mêmes dimensions intérieures. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, l'extérieur, il est un tout petit chouille plus grand. Donc, parce que la cartonnette que j'ai utilisée, j'ai retrouvé des choses plus grandes. Donc, voici à l'intérieur, donc. Toujours ces papiers flashy, puisque je me suis servi que des papiers avec foil. Mais je le trouve quand même sympa. J'ai réalisé une petite enveloppe ici. J'ai mis un tag. J'ai pas tout à fait fini la décoration, mais ça vous donnera une bonne idée. De toute façon, je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais rajouter 2-3 bricoles ici et là. Ici, donc, nous avons une première enveloppe. Ensuite, nous avons un cahier. Puis, alors, le cahier fait quand même 60 pages. Puisqu'il y a 15 feuilles pliées en deux. Ensuite, enfin, donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. On a donc 15 feuilles, mais pliées en deux, on est sur 60 pages. Donc ça fait quand même pas mal de. Voilà, pas mal de choses, pas mal de place pour écrire. Ici, donc toujours une enveloppe. Alors je vous rappelle que j'ai gardé ce système de pattes pour fermer les enveloppes parce que je trouvais ça vraiment pratique. Ensuite, on a encore une enveloppe. Ici, derrière la première, j'ai fait une petite enveloppe avec un tag. Le deuxième cahier, toujours de 60 pages. La quatrième enveloppe. Et à la fin, j'ai fait une petite enveloppe. J'espère que vous voyez bien malgré la brillance. Donc, voici pour celui-ci. Donc, la page de garde, je me suis contentée de mettre un papier de la collection, puis une étiquette avec le mot cahier que j'ai écrit avec des stylos calligraphiques que j'avais achetés il y a un petit moment, mais je sais qu'ils en ressortent en ce moment chez Action. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Ensuite, pour le dernier, alors celui-ci il pique un peu les yeux, je l'ai fait avec cette collection. Donc vraiment qui pète un peu. J'ai par contre utilisé un autre tissu parce que j'ai retrouvé de la cartonnette blanche. Donc voilà, vous allez voir un exemple. Donc c'est exactement ça, puisque ça c'est pour le prochain qu'on va faire ensemble. En fait, c'était issu de ça. Ça, ce sont des choses que j'ai récupérées dans des vêtements. Je pense que j'avais acheté des. C'est quand j'ai acheté les vestes de sport chez Action. Il y avait, ou peut-être autre chose, j'en sais rien, mais je pense que ça va être les vestes. Il y avait donc dans le vêtement plié, pour que ça ait une meilleure tenue dans l'emballage, il y avait ce carton-là et je l'avais gardé. Et franchement, j'ai bien fait, parce qu'en plus, il est blanc. Donc c'est super pour le tissu que j'ai utilisé ici, puisque ce sont des tissus de chez. Comment? De chez Lidl, hein, des tissus Crelando que j'ai aussi depuis un petit moment. J'avais acheté ça il y a quelques années. Et l'inconvénient, c'est que je m'en servais pas parce qu'en fait, quand vous enlevez le papier, c'est transparent. Donc, si vous avez une cartonnette grise en dessous, bah, c'est très très moche. Donc c'est pas possible. C'est voilà, il y a pas cette opacité qu'on trouve sur cela. Donc du coup voilà, j'ai utilisé celui-ci. Alors là, j'ai mis les petits nœuds comme vous pouvez le voir. J'ai juste remis une étiquette toute sobre parce que vous allez voir, ça claque un peu pour l'intérieur. Un ruban donc violet pour rappeler ici. Donc toujours les petits rubans de chez Action, je les aime beaucoup. Ces petits rubans, quand on travaille sur des produits de cette taille, franchement, c'est super quoi. Petit ruban violet, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est brillant aussi. On rajoute un peu de clinquant, il n'est pas assez clinquant celui-là. Et ensuite, quand on ouvre, et oui, voilà, je vous l'ai dit, ça fait mal aux yeux. Ça brille de mille feux, donc un papier un petit peu arlequin. Enfin, moi, ça me fait penser à un papier arlequin. C'est losange comme ça, de toutes les couleurs. Ici, j'ai fait une petite enveloppe. Donc deux grandes enveloppes, mais contrairement à tout à l'heure, elles sont toutes les deux, les ouvertures sont tournées vers l'intérieur. Je n'ai rien rajouté, ni pochette, ni rien, parce que je trouvais quand même qu'il était super chargé. Donc je me suis contentée de faire un truc simple. Pareil, on a deux cahiers de 60 pages. C'est pareil, j'ai fait qu'une toute petite décoration, parce que franchement, ça claque un peu. Toujours nos deux pochettes, hein, et on se retrouve là avec le cahier. Donc vous avez vu, j'ai fait la disposition un petit peu différemment du premier, et à la fin, donc la pochette. Alors. Je vous parlais des enveloppes. Pour les créer, je me suis galérée. Donc, je vous rappelle que cette fois, exceptionnellement, contrairement
Ah là, je n'ai là j'avais choisi la dimension de l'enveloppe, mais là je n'ai pas choisi la dimension de l'enveloppe pour celui-là. En fait, j'ai choisi la dimension extérieure, mais par obligation puisque j'avais des contraintes. Du coup, il a fallu que je trouve une enveloppe à la taille. Et je me suis mais galérée. J'ai fait je ne sais combien d'essais avant de trouver la bonne enveloppe. Pourquoi? Eh bien parce que quel que soit pardon, l'enveloppe punchboard que vous allez prendre, que ce soit celle d'action ou pas d'action, il n'y a pas de dimension correspondante. Vous savez que les dimensions qu'ils nous donnent, ils nous donnent la dimension de la carte, la dimension du papier que vous devez prendre pour avoir une enveloppe plus grande que les dimensions de la carte. Et ensuite, ici, ce petit chiffre-là, c'est ce qui vous permet de positionner votre papier pour faire la première encoche, ce qui vous donnera donc la dimension, une fois que ça va se croiser, la dimension de votre enveloppe. Donc, je ne trouvais pas ce que je voulais. Il a fallu vraiment que je m'enquiquine. J'ai fini par trouver donc ma dimension. Du coup, je l'ai rajoutée. Donc, je vous la donne, noterai, si vous voulez vraiment rester dans les mêmes dimensions que moi. Je vous la donnerai. Il faudra la garder parce que, franchement, vous voyez, je me la suis collée là-dessus pour être sûre de m'en souvenir. Cela dit, je ne regrette pas parce que, franchement, je trouve que ce format est vraiment super sympa. Alors, je vous explique maintenant en deux mots ce que je vais utiliser. Je vous invite, parce que là on est déjà à 11 minutes, je vous invite, si le tuto est vraiment très long, de mettre la vidéo en accéléré. Moi, j'utilise beaucoup la version accélérée quand je regarde des vidéos ou des tutos, simplement parce que je n'ai pas toujours le temps. Et l'avantage, c'est qu'en les mettant en accéléré, eh ben, je peux regarder deux fois plus de vidéos. Alors, vitesse 2, moi je parle un petit peu vite. Enfin, en tout cas, dans la première partie, je pense que j'ai un rythme assez soutenu au niveau parole. Donc, ça risque d'être. Mais par contre, pour la version ensuite, donc pour le tuto, je pense que je parlerai un petit peu moins vite. Et donc, je pense que vous pourrez me mettre en vitesse 1.5 ou vitesse 2, en sachant que vous pouvez toujours faire pause et revenir en arrière si jamais vous n'avez pas tout compris. Donc, voilà, vraiment, j'insiste, sur cette position de vitesse parce que ça fait gagner un petit peu de temps. On y va, le matériel qu'il va vous falloir. Donc, un outil pour faire vos enveloppes de la marque que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai déjà prédécoupé ma cartonnette. Donc je vous rappelle qu'elle fait 10,5 par 15. Ensuite, nous avons donc 3 cm de tranche et donc 10,5. Donc on a un total de 24 cm par 15 cm. Ce qui veut dire que quand vous pliez, vous faites un premier pli à 10,5 cm et un second pli à 13,5 cm. D'accord? Voilà, ça c'est pour la couverture. Pour recouvrir cette couverture, donc je vais également utiliser, il est parti où? Voilà, un papier toujours de chez Lidl. C'est exactement la même version que celui avec les papillons que je vous ai montré avant, sauf que celui-là, il est rose à petits pois. Je me suis marqué l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que sur l'autre, il n'y a pas de, comme sur l'autre, il n'y a pas de, vous savez, de quadrillage. Et quand j'ai fait celui-ci, quand j'ai commencé à décoller, parce qu'en fait, je commence d'abord à décoller une partie, ensuite je positionne et ensuite je viens tirer pour que mon papier se colle bien au fond. Sauf que je me suis ratée et mon papier s'est collé de travers. Donc j'ai eu assez, mais là, je veux pas que ça se reproduise. Donc je vais vraiment, voilà, vous voyez, j'ai marqué pour pouvoir vraiment me repérer ensuite sur le papier. Je sais pas si vous voyez bien les marques. Donc voici, donc il me faudra un papier donc plus grand bien sûr que ma cartonnette. Et ensuite il va falloir pour recouvrir ici donc un autre morceau d'adhésif, puisque quand j'aurai recouvert ici, ça viendra donc sur ma tranche. De chaque côté, je pense que je mettrai un papier de la collection que j'ai choisie. Je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, de toute façon, vous le verrez bien sûr fini. Ça, c'est pour la couverture. Donc, encore une fois, je couperai les angles, etc., etc., etc. Mais je pense que vous avez tous recouvrir. Donc, on va passer outre cette, voilà, cette partie-là, je le ferai hors caméra. La seconde chose, ça, on va le faire tout de suite. Donc, j'ai préparé... Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais commencer par vous montrer la collection que j'utilise. Pour les précédentes réalisations, j'ai utilisé du papier 30-30. J'ai bien évidemment eu beaucoup de chutes. Et comme mon enveloppe fait 19 par 19 en extérieur, je me suis dit que je pourrais tout à fait utiliser du papier A4. Et en l'occurrence, celui-ci qui n'est pas tout à fait un papier A4 puisqu'il fait, je crois, 21 par 27 et quelques. Mais bon, c'est pas grave. Ça me permet quand même d'avoir mes 19 cm par 19 cm. Donc, c'est un paper luxe, un paper de luxe. Un luxe paper block, je vais y arriver, qui est assez ancien, il a peut-être 2 ans. Donc j'ai choisi cette collection. J'ai choisi donc 4 papiers pour les enveloppes. Donc j'ai choisi ces 4-là. Ensuite, il y avait un 5e papier que j'ai commencé à découper puisque celui-ci viendra me servir de couverture
pour mon cahier. J'ai décidé de ne faire qu'un seul cahier dans celui-ci. Un cahier qui sera peut-être un peu plus gros que le précédent, mais en tout cas, je ne ferai qu'un cahier. Et ensuite, j'ai commencé. Alors, elle doit être collée maintenant. J'intégrerai à l'intérieur donc cette pochette. Cette pochette qui a double rangement, donc ici et ici. Voilà. Oups, c'est collé. Quand on l'ouvre, donc on a un très beau motif que je n'ai pas voulu cacher. On a également une pochette là, une pochette là. Et lorsque l'on tourne, on a également une pochette là, une pochette là. Ça me permettra, cette pochette, de venir rajouter. Donc j'en ai découpé quelques-uns, voilà, qui sont ici. Tout un tas de petites décorations, donc qui appartiennent à la collection, pardon. Voilà, donc j'en rangerai là-dedans et j'en rangerai dans les enveloppes. Je ne sais pas encore comment, mais bon, peu importe. Qui me permettra, eh bien, voilà, de l'offrir, en tout cas complet. Et la personne qui voudra pourra décorer son cahier directement avec toutes ces petites bidouilles donc, que je vais découper de là-dedans. Voilà. Hein, donc peut-être que j'utiliserai d'ailleurs du papier foil, j'en sais rien. Enfin, du papier vellum, pardon. Enfin bref, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais en tout cas, voilà. Ça, la décoration, je la ferai hors caméra. On va revenir tout de suite. Alors oui, donc ça. Et du coup, pour l'instant, j'ai ça comme chute de papier. Donc quelques petits morceaux, voilà, bien sûr. Donc je vais essayer également de leur trouver une utilisation pour qu'il ne me reste rien. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais là, vous ne le saurez qu'à la fin de la vidéo. On se retrouve pour l'enveloppe puisque c'est finalement le plus important. Donc bien sûr, je me suis avancée, je les ai déjà toutes faites. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait une enveloppe, je pense que tout le monde le sait, ou en tout cas si je le fais, je vais le faire rapidement. Elles sont déjà toutes préparées. Donc je vous rappelle que mon papier fait 19 cm par 19 cm par 19 cm par 19 cm puisque c'est un carré. La dimension donc, que j'ai choisie, donc c'est une dimension d'enveloppe qui fait 14,5 par 9,8. Alors je vous dis environ parce que parfois ça se joue à 1 mm en fait, hein. Ce qui est normal, c'est que fonction comment on plie, on n'a pas forcément le même résultat. Donc une fois que vous avez votre papier qui fait 19 par 19, vous venez le positionner et le chiffre dont vous aurez besoin pour, comment dirais-je, pour tracer, pour couper d'une part et puis pour tracer, ce sera 7,9. Donc votre papier de 19, vous venez sur le côté, le positionner donc à 7,9 ici, et ce qui va vous donner votre premier ici trait. Et à chaque fois, bien évidemment, vous servirez de ça pour le retourner. Donc vous punchez, vous le retournez, vous tracez, etc., etc., qui va vous donner cette enveloppe. Cette enveloppe, je voulais encore vous montrer une dernière petite chose et ensuite je vais tout préparer de mon côté. On se retrouvera uniquement pour la face couture. J'ai arrondi donc un des angles, ce qui sera mon rabat d'enveloppe, donc le dessus. Ensuite, les autres, eh bien, je vais les plier. Le premier. Et voici, quand je suis là, moi, ce petit truc ici me dérange beaucoup. Donc, je prends ma règle, je me positionne. Donc, vous voyez, en fait, on a ici deux angles, voilà, deux pointes, on va dire. Donc, je me positionne, je mets ma règle sur les deux pointes et je tire un trait. Et ce petit triangle, je vais venir le découper, le retirer. Voilà, et c'est ce qui me permettra de fermer mon enveloppe. Les enveloppes, je ne les ferme pas puisqu'on va avoir besoin de les coudre à la structure. Donc pour l'instant, elles restent comme ça. On les fermera au dernier moment. Mais ça, on va y revenir bien sûr tout de suite après quand j'aurai fait évidemment ma couverture, ma reliure, etc. Je vous montrerai comment on prend les mesures à l'intérieur pour ensuite faire votre reliure cousue. Et bien, on se retrouve tout de suite après. Me revoilà, j'ai un petit peu avancé le travail et notamment j'ai fini donc toutes les enveloppes, je les ai positionnées dans le sens dans lequel je voulais les mettre. J'ai fait également mon cahier qui est ici, donc mes deux autres enveloppes et la fameuse pochette donc dont je vous parlais tout à l'heure qui est déjà donc prête et qu'il n'y a plus qu'à assembler. J'ai également, je vous rappelle que j'ai utilisé, ah bah zut, je l'ai jeté donc cette collection de papier, donc c'était un paper de luxe, un luxe paper block, ça y est, je vais y arriver, je suis toujours en train de le mélanger celui-là. Et donc j'ai découpé tout ce qu'il y avait donc comme motif. Bien évidemment, il y en a certains que je vais utiliser pour finir la décoration, il y a plein de petits motifs. Et puis tout ce qui reste, eh bien, ça finira donc dans les enveloppes.
pour la personne qui l'utilisera. Ça lui permettra de décorer son cahier ou de décorer bien sûr autre chose. Donc ça c'est fait, bien évidemment il ne me restera de ce bloc comme d'habitude. Alors là pour l'instant j'ai encore quelques chutes, mais je n'ai pas fini la décoration, je vous montrerai ça après. Et il me restera donc de ce bloc ce papier vellum, désolé le bout qui est arraché et tombé, donc deux feuilles et puis ces deux feuilles là, parce qu'il y avait une feuille bois et une feuille noire que je ne voulais pas utiliser dans, dans cette série. Donc voilà ce qu'il me restera, mais bien sûr je l'utiliserai pour autre chose. Revenons-en à nos boutons. Donc ça c'est la partie un petit peu la plus fastidieuse. D'habitude je ne vous cache pas que je le fais, enfin en tout cas dans les deux autres tutos que j'étais censée vous faire, donc pour ces deux-là, j'avais tracé directement. C'est ce que je fais habituellement en fait, hein, directement sur ma reliure. C'est vrai que pour moi c'était plus facile, hein. Par contre pour vous c'était un petit peu moins visible. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de le refaire et de le refaire différemment. Du coup je l'ai fait sur un papier. Alors c'est moins pratique parce que c'est quand même double boulot. Cela étant, je vais quand même essayer de l'utiliser comme ça. Je vais voir si ça fonctionne. J'espère que je ne vais pas foirer ma reliure. Donc en fait le principe, eh bien c'est quoi? Vous avez, donc ça c'est exactement des mêmes dimensions que ma reliure existante. Donc je suis sur 3 cm avec 15 cm de long. C'est exactement la dimension, donc je vous le rappelle, de mon cahier. Alors comment je dois prévoir mes emplacements pour mes trous? J'ai donc ici 6 choses que je veux accrocher, 6 livrets. Donc il y a une pochette, une enveloppe, un cahier, une enveloppe. Donc 6 choses que je dois relier. Comment je calcule? Eh bien en fait c'est hyper simple, ça demande un petit peu de temps et puis surtout il faut être vraiment précis. Hop, mon téléphone est encore en train de tomber. Attendez, zut, je vais raccrocher le support. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc en fait c'est très simple. D'abord j'ai commencé par mesurer 1,5 cm de ce côté-là, puis 1,5 cm de ce côté-là. J'ai donc tiré 2 traits, vous les voyez, les 2 traits donc de ce côté-ci. Ensuite, entre ce point-là et ce point-là, j'ai mesuré, donc 15 moins 1,5 moins 1,5, il restait bien sûr 12 cm. Donc j'ai choisi, j'ai trouvé pardon, le centre qui est donc 6 cm et j'ai également tiré un trait. Ça c'est important, ça nous permet d'avoir nos 3 points de couture. C'est-à-dire qu'on va commencer par coudre au centre, puis on va repasser par là, on va revenir au centre. Et on va repasser par là. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous montrer comment on va coudre. Mais ça, ce sera plus simple quand je commencerai à relier le premier document. Ensuite, pour avoir l'écart entre chaque point, eh bien, c'est simple. J'ai 3 cm et j'ai 6 points. Donc, je sais que, en fait, c'est 0,5 mm. Il me faut 0,5 mm entre chaque pour que ce soit à peu près équilibré. En sachant, bien sûr, qu'il me faut un petit peu sur le côté et un petit peu ici sur le côté. Pour que ça puisse en fait jouer. Donc en fait ici on doit avoir 0,2, enfin 0,25 et ici 0,25, ce qui nous fait 0,5, donc 0,5 une fois, donc celle-ci plus celle-ci. Ensuite ici on a 0,5, ensuite on a une autre 0,5, donc ça fait 1,5, puis 2, puis 2,5, puis 3. Voilà, donc là on a vraiment nos 3 cm, donc ce qui s'équilibre. Donc tout ça pour vous dire que j'ai ensuite cherché le centre ici et le centre ici. En fait, comment j'ai fait? Eh bien, c'est simple. Une fois que j'ai trouvé mon centre, je sais que je dois avoir 0,5 entre chaque... comment dirais-je? Alors, attendez, je vais prendre une règle qui est un petit peu plus... voilà, visible. Je vais vous le tourner comme ça. J'espère que vous allez comprendre. Donc, en fait, mon point du milieu... Alors, en fait, je vais volontairement me mettre sur... comment je vais faire? Je vais me mettre là, ça devrait le faire comme ça, est-ce que ça va aller? Voilà, en fait voilà, vous allez bien voir, donc là je suis sur entre 0 et 5, mon point donc, ça c'est mon centre, donc, vous voyez il est entre mon premier point et mon deuxième point. Voilà, j'ai positionné, comme je sais que ça faisait 0,5, j'ai positionné mon point ici central au centre de mes 0,5 et ensuite par 3 fois, j'ai fait donc mes points de pique. Donc ça, évidemment, quand vous l'avez fait là, vous le faites ici. Et après, il vous suffit de relier les points comme je l'ai fait là. Et ensuite, une fois que vous avez relié ici, eh bien, à la jonction, vous n'avez plus qu'à faire un point de perçage. Donc celui-là, je l'ai percé. Je vais essayer. Honnêtement, je n'ai jamais fait comme ça.
Je vais essayer. Alors, je vais peut-être assurer mes arrières parce que je suis la reine des bourdes. Vous me connaissez. Désolée, il y a mon chat encore ce soir qui est revenu. Hop, alors. Toc, ici. Donc, je suis bien au centre, ici. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire pour ce tuto qu'il vous faudra bien évidemment un poisson. Oh là là, mon téléphone, il n'arrête pas de tomber. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire donc qu'il vous fallait un poisson. Moi, j'ai utilisé celui de mon kit reliure japonaise. Mais des poissons, il y en a d'autres. Hein. J'en avais un avant celui-là. C'est parce que celui-là, du coup, je l'ai toujours sous la main. J'en ai un. Voilà, j'en ai un autre, par exemple, comme ceci, que j'ai acheté... je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était chez... c'est un Créalia, donc chez Cultura. Voilà. Donc vous voyez, ça se trouve un petit peu partout. Bon, bah, du coup, je prends celui de mon reliure japonaise de We Are Memory Keepers, mais vous pourriez prendre n'importe lequel. Également, j'ai récupéré ça dans un emballage quelconque, hein, je ne sais pas, ce bout de mousse qui est vraiment pratique. Enfin, c'est de la mousse, mais de la mousse rigide, vous voyez. C'est pas tout mou comme une éponge, par exemple. Donc, c'est un peu plus rigide. Et ça va me permettre, en fait, de percer tous mes trous. Donc, ça, c'est la partie la plus délicate, puisque, en fait, il faut impérativement que vous soyez droite. Si vous n'êtes pas droite, si c'est ici, c'est traviole, eh bien, ça va se voir. Et franchement, c'est très, très moche. Je vous remonte. Donc, si ici, vous n'êtes pas droit... Ça va pas être joli. Encore que sur cette couverture-là, comme c'est clair, c'est pas gênant. Mais sur une couverture foncée, quand le fil y ressort bien, comme celle-ci, bah vous avez intérêt d'être droite. Hein. Donc ça, faut vraiment être... Et vous voyez, moi, je suis pas super, super droite. Mais bon, moi, je suis un peu chiante aussi. Donc voilà, donc on y va. Je fais les trous. J'espère que ça va le faire gentiment. Parce que comme je suis un peu au bord... Je n'ai pas super bien réglé mon papier, vous voyez. C'est pas... J'aime pas travailler comme ça. Moi, j'aime bien directement tracer dessus parce que là, du coup, je suis légèrement décalée. C'est pas génial. Bon, je vais... C'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc, alors, en fait, je vais me contenter avec vous là tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais m'occuper de la première rangée pour commencer à... Pour commencer donc à coudre, je vais refaire un petit trou ici, voilà. Et on va pouvoir faire le premier livret. Bien évidemment, le reste, je le ferai hors caméra et on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Alors, j'ai pris de l'avance, j'ai passé mon fil dans l'aiguille. Et ben, je vous le donne en mille. Pour une fois, je l'ai passé du premier coup. Bah oui, sinon c'est trop facile. Donc, on voit pour l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, donc, il y a un côté arrondi ici, un côté que j'ai coupé. Donc, je prends cette enveloppe, je la retourne. Donc, c'est le côté que j'ai coupé. Donc, c'est le côté donc, qui va être collé ensuite, ok? Donc, je le retourne ici. Je me positionne. Alors, on va s'aider de ça puisque du coup, j'ai ça, donc c'est plus facile. Donc, je centre... mon enveloppe sur cette réglette, puisque vous savez que mon enveloppe est plus petite en fait que ça. Attendez, je vais me poser parce que sinon c'est pas simple. Je règle bien parce qu'après si je foire, eh ben, c'est pas bon. Toc, voilà, donc je me suis positionnée sur le trou et je vais venir faire une marque au crayon de papier. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Donc ici, et cette marque, je vais la reporter sur toutes mes enveloppes, puisque je sais que mes enveloppes ont toutes la même dimension. Donc là, je ne risque pas, si vous voulez, de me planter. Vous voyez, je suis vraiment à la bonne dimension. Donc, hop, je marque aussi le pli. Comme ça, je serai vraiment sûre d'être au bon endroit. Donc, on reprend donc cette enveloppe-là. J'ai fait mes marques. Je viens faire délicatement des petits trous. Et donc, c'est cette enveloppe-là que l'on va venir fixer. Alors, j'ai choisi de la fixer donc pour que l'enveloppe, en fait, soit à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour que j'ai mes deux enveloppes avec les ouvertures du même sens. J'aurais pu, en fait, en mettre une comme ça, avec une ouverture ici et l'autre avec l'ouverture ici. Mais là, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire comme ça. D'accord, que les deux ouvertures soient face à face. Donc, je vous rappelle que là, c'est ouvert. Je prends donc mon enveloppe. Je commence, alors je vais le prendre comme ça. Je commence à passer au centre. Vous la voyez, l'aiguille?
Je la passe donc au centre de mon trou, ici. Voilà. Alors, j'ai choisi de prendre du coton, des petites pelotes de coton de chez Action que j'ai acheté il y a un petit moment de ça. Et je m'en sers souvent pour faire mes reliures et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, quand vous avez de la place, parce que quand c'est un papier trop fin ou une reliure trop fine, il faut faire en fil. Là, par contre, je les ai faites en cotonnade. Alors, ensuite, je suis partie à droite dans le trou de droite, qui pour vous est à l'envers, bien sûr. Je le fais délicatement ressortir. Alors, c'est un peu épais avec la cotonnade. Voilà. Je n'oublie pas de laisser dépasser mon fil au centre, parce que c'est ce qui va me permettre de venir attacher. Une fois que je suis là, je reviens passer et repiquer dans le centre. Donc, hop, j'essaye de ressortir au bon endroit. Voilà, donc je ressors ici. Donc, j'ai un premier fil ici, un deuxième là qui va arriver. Et donc, je le repique ici pour revenir sur le devant. Hop, et... J'espère que vous voyez bien, pardon, parce que c'est pas facile pour moi non plus. Voilà, donc je le ressors à l'intérieur. Je peux enlever maintenant l'aiguille, ce qui fait que... Alors maintenant, on tend bien. Ici, vous avez deux fils. Voilà, et à l'intérieur, je vais venir relier cette partie avec cette partie. Désolée, c'est noisette. Voilà, et je n'ai pas besoin de tout ce fil ici, donc je le coupe. Et là, votre enveloppe est reliée. Alors maintenant qu'elle est reliée, eh bien c'est simple, vous allez venir la coller. Alors attendez, moi j'avais un brouillon que je vais venir mettre à l'intérieur. Ma colle, ma colle, ma colle. Ensuite, je viens en coller. Mon enveloppe. Vous appuyez bien. Et vous laissez coller. Donc, quand vous êtes ici, eh bien, votre enveloppe, elle est comme ça. Vous savez que moi, je n'aime pas ça. Je vais donc faire une petite patte de fixation. Alors, j'espère qu'il me reste des chutes. Oui, j'en ai une là. Alors, elle est un petit peu trop longue. Je pense qu'elle doit faire 1 cm. Ouais, pile poil. Et par contre, il me faut 6 cm. Donc, ici, 6 cm, c'est suffisant pour une grande enveloppe. Parce qu'il faut quand même que vous puissiez la fixer donc de part et d'autre. Et que vous puissiez ensuite venir mettre votre rabat sans que ça force. Donc, je fais 2 petits points de colle. Ici. Hop. Et je viens. Je dois être à peu près droite. Oui, hop. Donc vous aurez compris bien sûr le principe. Je fais tout le reste eh bien hors caméra pour que ce ne soit pas trop trop long. Je le décore et on se retrouve à la fin pour la présentation finale donc de l'ensemble. Et regardez comme je suis en bonne compagnie, j'ai mon petit chat qui est ici. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la fin cette fois donc de l'album. Je l'ai donc fait terminer et cousu hors caméra. Donc voici la couture. J'ai choisi quand même de le relier par un petit nœud parce que je trouve quand même que c'est un petit peu plus fini. Sur tout ce que j'ai utilisé, donc que je vous ai montré, il ne me reste que ça. Et bien sûr, les deux grandes feuilles et les deux papiers vellum que j'avais décidé de ne pas utiliser. Mais pour le reste, je pense que voilà, pari tenu, je vais quand même garder voilà, ces petites bricoles. Le reste, je pense que ça va partir à la poubelle. Et puis, donc, je voulais revenir sur cette reliure. Donc, je vais quand même la conserver et me noter au dos donc la dimension. Je m'en servirai pour un prochain gabarit pour que mes points soient notés, que ce soit plus facile. Mais très franchement, je préfère quand même faire le marquage directement sur ma reliure. Alors, là, évidemment, ça, c'est mon avis, mais j'ai un peu galéré et cela dit, bon voilà, le résultat est pas mal, mais je trouve que je suis un petit peu plus décalée de ce côté que de ce côté, mais voilà, ça c'est mon côté un peu
casse-pied qui ressort. Sinon, ben, je me suis un petit peu lâchée. Vous voyez, il est quand même très, très épais. Alors, bien sûr, la personne qui l'utilisera, quand elle aura utilisé tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il y aura plus ce problème. Mais en attendant, vous voyez, il est bien, bien balèze. Donc, on y va. Donc, je l'ai bien décoré celui-là. Franchement, il était très sympa à faire. J'aime bien ces petites couleurs douces. Il est assez fun. Ça, je pense que ça va être sympa pour une petite jeune fille. Donc, dedans, j'ai mis évidemment les éléments que j'avais découpés. Alors, d'une part, j'en ai mis pour la décoration, mais évidemment, il en reste plein que je mets dans les pochettes. Pourquoi ici deux teintes? C'était pas volontaire. Mais les morceaux de papier qui me restaient dans les chutes, vous savez que j'ai pas utilisé du 30-30, mais du A4. Du coup, là, j'avais besoin d'un morceau de 10,5 par 14 et je ne les avais pas. Donc, j'ai été obligée de jouer sur deux papiers. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça me permet d'avoir deux pochettes ici. Donc, ce qui n'est pas idiot. À l'intérieur, on a donc face à face. Vous savez que c'était mon choix, contrairement aux autres petits cahiers que j'ai faits précédemment. Donc, en fait, les enveloppes étaient toutes dans ce sens-là. Donc, celle-ci aurait dû être dans l'autre sens. Mais je voulais pas de ça. Je voulais qu'elle soit face à face. Je ne sais pas, j'avais envie de cette disposition. Et donc, du coup, à l'intérieur de ces enveloppes, il y a, voilà, dans chaque enveloppe, il y a des décorations qui restent. Alors après, la personne l'utilisera bien sûr comme elle voudra. Ici, donc, on a le cahier. Alors, le cahier, je me suis lâchée. J'ai fait un très gros cahier puisqu'on a 80 pages. Donc, c'est quand même assez balèze. Avec les chutes de papier, il y avait un très joli décor. Donc, du coup, j'en ai fait une pochette, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc le cahier, il est vraiment balèze. Là-dessus, comme il me restait quand même beaucoup de chutes de papier, en tout cas de papier décor, du coup, j'ai repris du papier A4 que j'ai découpé pour faire deux petits cahiers. Parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de cahiers. Après, évidemment, on pourra tout à fait ne pas les laisser dans dans cet élément et les utiliser autrement. Donc, avec la chute, j'ai encore fait une pochette. Là, nous avons. Donc, vous voyez, par contre, c'est un peu plus. Voilà, quand on arrive au centre, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même assez chargé. Ici, il y a tous les stickers. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais oublié. J'ai retrouvé la feuille après. Donc, je les ai tous découpés et mis ici. Voilà. De ce côté-ci, j'ai refait une petite enveloppe avec toutes les toutes petites choses que j'ai découpées. Voilà, parce que dans l'enveloppe, ça se serait vraiment perdu. Donc, j'ai refait une petite enveloppe puisque j'avais de quoi faire. Par contre, j'ai un peu trop serré. Allez, ça, c'est pas malin. J'ai un peu trop serré ma petite bandelette. Du coup, j'ai du mal à la remettre. Donc, voilà, une petite enveloppe que je remets dans la grande enveloppe. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait un peu d'épaisseur quand même, hein. Voilà. Ici, donc, j'avais choisi de terminer par une pochette double. Donc, ici, on a une première rangée. Une autre ici, toujours avec des rangements. À l'intérieur, ce sont des pochettes simples, dans lesquelles toujours j'ai rajouté donc ces petites découpes. Un second cahier, donc pareil, qui est, je crois qu'il y a une trentaine de pages dans celui-ci, mais je ne sais plus exactement. Voici, et on termine donc par la dernière pochette qui est double. Voilà. Et là encore, une fois, on a également une pochette à la fin, puisque j'ai eu le même problème qu'à l'avant, évidemment, de dimension, donc de papier. Donc, voici. Alors, je trouve très bien d'avoir mis du tissu, mais alors, le tissu, je le trouve de chez Lidl, là. Je trouve qu'il est très salissant. Et c'est pas. Bon, voilà. C'est moyen, je trouve. Mais bon, écoutez, il est fait comme ça, il est fait comme ça. Donc, voici pour ce petit tuto de cahier. Bien évidemment, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée trop vite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon mail privé ou vous me laissez un commentaire, il n'y a pas de souci. Et je vous donnerai les éléments que vous n'avez pas eu ou que j'ai mal expliqué. Parce que c'est vrai, quand on tourne un tuto, parfois, on mélange les mots, etc., etc. Donc, voilà, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau tuto. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.